Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un comparatif entre ma centrifugeuse et mon extracteur de jus. Alors, j'ai préparé les ingrédients du jus que je vous ai montré la dernière fois, le jus pur et beau, sauf la menthe, parce que la menthe, je vous montrerai séparément pour bien voir comment, de quelle façon ces machines extraient les herbes. Et j'ai séparé en deux les ingrédients, au gramme près. Donc, on va vraiment avoir une idée précise du rendement de chacune des deux machines. Alors, je commence par la centrifugeuse. Donc, c'est une centrifugeuse Philips. C'est un modèle assez récent. Alors, je l'ai vu. Par rapport à d'autres centrifugeuses, je trouve que celle-ci ne fait pas énormément de bruit. Alors, vous déclipsez la centrifugeuse, vous l'amenez ici. Elle est censée se nettoyer en une minute. Avec peu de recoins, des bords très lisses, très arrondis. Voilà, si c'est pour la passer sous l'eau, oui, effectivement, c'est rapide. Donc ça, hop, au compost. D'ailleurs, je peux rappeler encore un peu. Et le tamis, c'est toujours la partie un petit peu délicate de tous ces appareils. Donc voilà, il n'y a pas de secret, hein, je frotte avec les doigts, il y a une... Il ne met pas de petite brosse avec, mais j'ai celle de l'extracteur qui peut être utile. Hop, un petit coup. Tac, tac, tac. Le tamis est propre. Alors, l'extracteur à jus. Alors, mon modèle, c'est un Omega. La différence entre l'extracteur et la centrifugeuse, c'est que la centrifugeuse, vous avez vu, le tamis, il y a une petite râpe, donc elle va râper très vite les aliments pour en extraire le jus. L'extracteur, lui, il a une vis infinie, qui va tourner, tourner, tourner et presser contre un tamis les aliments. Donc ça va extraire de façon plus douce et plus lente. Salut chérie, tu veux m'aider à faire le jus ? Donc Chani va nous aider à faire le jus. Donc on a mis le tamis. Hop. Youhou. Alors, ce qui est un peu plus long avec cet appareil, c'est qu'il faut couper les aliments en petits bouts pour qu'ils puissent rentrer là. Donc, hop, on va le faire tourner. Vas-y, vas-y. Effectivement, c'est un peu plus long. Allez, tiens. Hop, la pulpe qui reste sort là et le jus qui était contenu dans la pulpe est vraiment bien extrait et il sort ici. Même les pommes, même les toutes petites pommes que j'ai, il faut les couper.
pour ça que je dis que ça prend quand même beaucoup plus de temps. Pipi. Fais ta pipi. Je veux faire pipi d'abord. D'accord. Attends, pause pipi. Voilà. Alors, ça va partir. L'extracteur de jus est très peu bruyant. C'est aussi un de ses avantages. Un chenille, est-ce que ça fait du bruit? Un peu ou beaucoup? Tu savais bien. La petite pomme. Ouais, tu t'en sors très bien. Et voilà, on va égoutter l'appareil. Et suspense, on va savoir la différence entre les deux appareils. Ça va où? Donc ça, après on va nettoyer. Ça va où ça? Là, tu peux le ranger ici. Il y avait la même quantité de concombre, la même quantité de pommes, la même quantité de pastèques dans les deux jus. Ici, vous avez le jus fait à la centrifugeuse. Ici, le jus qu'on vient de faire à l'extracteur. Enfin, pour moi, c'est la même taille, la même quantité. Celui-là semble un peu plus foncé. Peut-être qu'il s'est oxydé. Limiter les deux. Voilà. Celui-ci est plus rouge, mais ils ont le même goût. Bon, c'est sans surprise, hein, de l'autre côté, c'est les mêmes ingrédients. Donc, pour le nettoyage de l'extracteur, pareil, on amène tout ici, dans les pieds. La pulpe au compost. On rince. Sous l'eau. L'avantage c'est que si vous le nettoyez tout de suite après, c'est super simple, vous passez tous vos accessoires sous l'eau. Le tamis est beaucoup plus simple à nettoyer sur l'extracteur, plus rapide. C'est normal parce qu'il est quand même beaucoup plus petit par rapport à l'autre. Ce jus s'oxyde plus vite, je crois que je vais y ajouter du citron. Ça limitera l'oxydation. En tout cas, c'est bon. Hein.